Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique pour un dos en parfaite santé, notamment parce que je parle d'autres sujets, vous l'avez bien compris. Tous mes conseils de santé sont sur ma newsletter, je vous mets le lien dans la description et je vous mets aussi le lien d'un programme totalement gratuit dont vous avez accès, qui est vraiment un programme complet sur le mal de dos et pour justement dire adieu à ce mal de dos. Quelles sont les étapes à respecter? C'est une méthode en 6 étapes justement. Vous respectez ces étapes pour arriver à mettre fin à votre problème de dos, que ce soit en haut, en bas ou au milieu de votre dos. Je vous explique dans cette vidéo un exercice de mobilité au niveau du dos, surtout du bas du dos, qui va vous aider à retravailler la mobilité. Parce qu'on le sait très bien, souvent on est un peu bloqué en bas du dos et quand on reste tout le temps assis dans la journée, on finit par se tasser et se bloquer un petit peu le bas du dos, ce qui peut entraîner des douleurs, ce qu'on appelle des lombalgies. Donc vous verrez, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. C'est parti pour l'exercice. C'est un exercice que vous pouvez faire sur le sol avec un tapis de yoga, mais c'est aussi un exercice que vous pouvez faire dans votre lit au réveil. Vous n'êtes pas obligé d'être sur un sol très rigide pour faire cet exercice. On se retrouve sur le dos et vous allez donc avoir les jambes pliées. Les mains, vous les laissez où vous voulez, vous pouvez les mettre sur votre ventre ou les mettre de chaque côté. Et en fait, vous allez aller pencher les deux genoux d'un côté puis de l'autre. Je m'explique, je vais les pencher d'un côté comme ça, tranquillement. Et après, je vais les pencher de l'autre côté. Et cet exercice, ça va faire des petites rotations au niveau des lombaires et ça va étirer un petit peu le bas du dos. Alors bien sûr, les genoux, vous n'êtes pas obligé de les mettre tout à fait par terre. Donc voilà, vous faites ce petit exercice, vous répétez un certain nombre de fois, entre 5 à 10 mouvements pour mobiliser le bas du dos. Vous pouvez essayer de mettre la main derrière pour sentir là où ça bouge, ça va peut-être vous aider. Et bien sûr, si vous avez une douleur, ne faites pas cet exercice. Quand vous avez mal, ça veut dire que vous forcez trop et que votre corps n'accepte pas ce mouvement-là pour le moment. Donc évitez les mouvements douloureux, essayez de faire des mouvements qui vous font du bien. Une fois qu'on a fait ça, je vais rajouter une toute petite variante. Vous pouvez très bien tendre une jambe et faire ce mouvement d'ouverture et de fermeture de hanche avec un seul genou. Voilà, vous ouvrez la hanche sur le côté et vous la fermez de l'autre côté et vous pouvez aller jusque vraiment la torsion un peu plus complète du dos. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos, mais là c'est juste pour remobiliser. C'est pas un étirement, ça va étirer certaines structures, mais c'est un exercice de mobilité. Allez hop, on change de jambe. Vous voyez, on n'est pas obligé d'aller. Soit vous allez carrément toucher le genou de l'autre côté, sinon vraiment c'est juste pour bouger un tout petit peu. Vous allez mettre le genou d'un côté, mettre le genou de l'autre et vous allez sentir que ça tire au-dessus du bassin au niveau des lombaires. Ça tire aussi le bassin en lui-même. J'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à me commenter et je vous rappelle le programme et la newsletter avec tous les conseils de santé et dire enfin adieu mal de dos. Tout est dans la description de cette vidéo. Prenez bien soin de vous.